Tu dis Dicas, mon pote. Dicas au Lisdou. Fini la jungle. On est venu représenter ici à Paris. On va faire un bordel aujourd'hui. Ça va être. Parce que je lui avais fait un hors caméra, c'est pour ça qu'il voulait se manger. Voilà, c'est pour ça. Ça fait très mal. Mais en tout cas, on s'est régalé. On a rigolé. Je viens de tourner, je suis défoncé. Mais en tout cas, on s'est régalé. Bon niveau, hein. Ouais, il y a du level, mais après, ça glisse beaucoup. Donc, ça fait que mon équipe, qui sont plus habitués à faire des freestyles, c'est impossible de récupérer la balle, ça glisse un peu. Mais il y a du level. Et comme pour tous les joueurs qui sont là, c'est quand même quelque chose aussi pour toi que je fasse à Zidane. Non, pas trop. Non, bien sûr. En plus, ça se voyait qu'il accélérait quand il fallait accélérer. Le dernier but, il est magnifique. Ça veut dire que le mec, il sait très bien qu'il faut donner un peu de show, s'amuser avec nous. Il essayait l'autre de lui mettre un petit pont pour mettre un petit pont à Zidane. Ben, leur équipe en met un petit pont à Soprano. Putain de merde. C'est la merde. Donc voilà, non, c'est un grand honneur et un grand plaisir. C'est l'une de mes équipes favorites. Oh, oh papa, ouais. Oh, c'est la dame de la télé, deux. Papa. J'en ai deux. Papa, la dame de la télé, c'est la combien? La 14. C'est quoi comme chaîne? Je sais même pas. La 15. C'est non, c'est la 82, l'équipe papa. 16, 16. L'équipe TV. Papa, regarde, la dame de la télé, hein. En vrai, elle est là. C'est pour toi, papa. Oui. Voilà. Ok, un compliment pour chaque joueur, un compliment pour chaque joueur. Je sais pas, vous êtes gentil. Je vais faire un compliment pour moi, pour mon papa. Il est drôle. Je lui dis, c'est la dame de la télé. Il est drôle. Comme ça, dès regarde la télé, tu vois toi et moi et tu vois. C'est un futur comique. Ok, ok. Ah, on va faire un one man show. Non, tranquille. Ok.